Je suis toujours dans mon processus de transition vers une alimentation pranique et ça fait plusieurs jours et aujourd'hui aussi que je me rends compte que pour moi ça ne veut pas dire grand-chose. Toutes ces histoires de processus et de transition et de pranique, j'en fais ma propre expérience. Et donc, j'ai arrêté de suivre avec rigidité mes niveaux du Nirarasamyama. Il y a eu un moment, j'ai mes petites notes avec moi, mon petit carnet de bord, il y a eu un moment où j'ai voulu reprendre l'alimentation solide et je l'ai reprise. Et d'autres moments, d'autres jours où j'ai voulu arrêter de manger des aliments solides et où j'ai recommencé à arrêter de manger. Et j'estime ne pas avoir raté quoi que ce soit, ne pas avoir fait d'erreur particulière, parce que j'estime que je n'ai pas besoin de réussir quoi que ce soit. En fait, je suis dans mon expérience, je suis et ben, aucun souci avec ça. Donc voilà, je continue mon petit chemin là-dedans et ma foi, je t'en dirai plus quand j'en saurai plus. Pour l'instant, c'est tout. Je te fais des bisous.